Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round, votre rendez-vous hebdomadaire dédié au Mixed Martial Arts. Aujourd'hui, nous recevons un ancien combattant d'élite devenu youtubeur à succès. On va en parler de cette success story avec Greg MMA. Bonsoir Greg. Salut Lucie. Là, je t'ai endiablé. Là, tu vas. Belle présentation, n'est-ce pas? Magnifique. Également à mes côtés, Sébastien Love, comme d'habitude, notre chroniqueur MMA. Mais aujourd'hui, Sébastien, eh bien, c'est Lucien Jahan qui va te voler la vedette puisque c'est lui qui s'occupe des résultats du week-end. Le monde du MMA vient de subir un énorme tremblement de terre. Francis Ngannou n'est plus affilié à l'UFC. Le Camerounais avait évoqué à plusieurs reprises sa possible rupture avec l'organisation si elle n'acceptait pas ses conditions. À savoir, un contrat de 3 combats, contre Jones, Miocic, puis encore Jones, une assurance maladie et un avocat pour chaque combattant, et une augmentation des revenus. Dans l'espoir de retenir Francis Ngannou, Dana White, patron de l'UFC, lui a proposé le plus gros contrat de l'histoire de la catégorie poids lourd, ce qui n'a pas été suffisant pour le convaincre. We offered Francis a deal that would have made him the highest paid heavyweight in the history of the company. More than Lesnar, more than anybody. And he turned the deal down. So, you know, I don't know, you know, we get to this point where I've told you guys this before, if you don't want to be here, you don't have to be here. You know, I think Francis is in a place right now where he doesn't want to take a lot of risk. Feels like he's in a good position where he could fight lesser opponents and make more money. So we're gonna let him do that. We're gonna release him from his contract. We're gonna give up our right to match, and he can go wherever he wants and do whatever he wants. Yeah, that's where we're at. Plus que l'argent, Francis a choisi la liberté. Promis à un énorme duel face à la légende du MMA John Jones, Francis Ngannou laisse filer une occasion en or. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et Cyril Gane ne vous dira pas le contraire. Le Français remplace Ngannou et combattra Jones le 4 mars prochain à Vegas pour la ceinture vacante des poids lourds. Gane va disputer le combat de sa vie. Quant au Camerounais, il pourrait rebondir dans une autre organisation de MMA. Mais à l'heure actuelle, c'est surtout la boxe qui l'intéresse. Mardi, The Predator a annoncé dans l'émission The MMA Hour d'Ariel Helwani qu'il aimerait combattre Tyson Fury ou Anthony Joshua. Affaire à suivre. À Las Vegas, le Français Nassourdine Imavov a disputé le premier main event de sa carrière à l'UFC. Opposé à Sean Strickland, le Français avait à cœur de montrer qu'il méritait sa place dans le top 10 des middleweight. Sean Strickland est un homme expérimenté. Même s'il reste sur 2 défaites de rang, l'Américain, tactique, s'est imposé à l'unanimité des juges. Terrible déception pour le Français qui était le favori de cette rencontre. Après la défaite, le sniper s'est exprimé sur ses réseaux. Désolé tout le monde, je voulais tellement gagner, mais il a été meilleur dans ce combat. Félicitations à Sean et à son équipe. Je vais apprendre de ce combat et revenir plus fort, comme à chaque fois. Merci à tous ceux qui nous ont donné de la force cette semaine. C'est la 4e défaite d'Imavov à l'UFC. Le Français est touché, mais pas coulé. Il a vécu l'histoire du MMA français, c'est un pionnier et il a même assuré sa reconversion en tant que youtubeur. C'est notre invité Spotlight, Greg MMA. Greg, tu viens d'une époque où on regardait encore le MMA sur des VHS. En noir. Sur des DVD. T'étais en... l'époque DVD ou VHS? Non, en noir et blanc, c'était les dinosaures qui nous apportaient la VHS. Non, mais tu viens quand même d'une époque où le MMA était très confidentiel, très marginal. Très confidentiel et quasiment inconnu, quoi. Qu'est-ce qui t'a mené dans cet univers? Eh bien, comme beaucoup de nos copains, c'est la cassette de l'UFC numéro 2. On s'échangeait à l'école, sous le manteau, il y avait certaines cassettes particulières. Il n'y avait pas celle-ci. Que du MMA. Non, il n'y a pas que du MMA. Moi, j'ai fait voir celle-ci, là, finalement, à la fin. Hein. Et je suis tombé amoureux de ce sport. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? J'ai fait, un jour, il faudrait que je fasse ça. Ça t'a fasciné? Ah oui, oui, bah, c'était comme dans Dragon Ball Z, les méchants qui se tapent, c'est le tournoi de l'absolu, quoi. Donc tu fais, c'est pas possible, il faut que je fasse ça. Hein. Toi, tu faisais du karaté? Oui, j'avais commencé le karaté, mais et puis je me suis dit, bah, écoute, il faudra faire du jiu-jitsu brésilien.
Parce que les karatékas, il y avait un karatéka contre Royce Gracie, il s'est fait démonter, j'ai fait « Oh mince !» Bon, on va se mettre au jiu-jitsu. J'ai changé de sport. Et en plus, il s'est fait démonter, j'avais même pas compris comment. Parce qu'au début, on se prenait des clés de bras, et il était en dessous, et on s'est dit « Ah, il va se faire avoir, et non !» Puis parfois même on était déçus, on fait qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. C'était assez illisible à l'époque. D'ailleurs, quand on ne connaît pas très bien le jiu-jitsu, c'est assez illisible au départ. Et tu as trouvé un club de MMA parce qu'il n'y en avait pas forcément à l'époque. Alors non, moi j'habitais dans un petit village à côté de Mantes-la-Jolie. Donc déjà, je devais faire le trajet pour aller faire mon karaté. Et puis après, quand je me suis mis au jiu-jitsu brésilien, je devais aller jusqu'à Paris, dans le 5e arrondissement, Dojo 5, avec David Pierre-Louis. Et ça me prenait une heure et demie d'aller-retour, donc il fallait avoir la foi, mais je l'avais au fond de moi, donc je me déplaçais. Puis j'allais aussi à plaisir chez Akio Long et on faisait du pancras. Et alors tu as naturellement fait le lien entre tous ces univers à l'époque, parce que comme il n'y avait pas d'école de MMA, la transition entre les deux, elle n'était pas forcément facile, évidente. Ouais, on faisait à l'arrache et pour le coup, le terme mixed martial art prenait tout son sens. C'était vraiment, tu prenais plusieurs arts martiaux et puis tu les agrégeais sans avoir forcément une vision holistique de la chose et tout ce qui est transition, c'était un peu à l'arrache. Et pourtant, donc, tu as commencé à l'arrache, mais tu as fait partie des combattants d'élite puisque tu as été combattant du Pride. Donc c'était vraiment l'élite à l'époque, considéré pratiquement comme l'UFC au même niveau. Pride Bushido 11. Exactement. Ouais. Est-ce que tu es nostalgique de cette époque? Quel regard tu portes sur l'évolution du MMA? Bon, nostalgique, moi ce que j'aimais beaucoup, c'était justement l'opposition des styles qui était très marquée. Aujourd'hui, effectivement, les mecs ont un peu tous le même style, je trouve. Alors qu'à l'époque, il y avait des mecs pur jiu-jitsu, pur grappling, pur boxe. Il y avait même des sumo et même des bodybuilders. C'était un petit peu n'importe quoi. Il y avait ce qu'on appelait des combats de freak, freak show. Ouais. Donc des bêtes de foire. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de reproduire parfois dans mes vidéos. Mais c'est ce que j'allais te dire. Ouais. En fait, tu as gardé ça. Ouais, combattre des mecs qui font 160 kilos. Qu'est-ce que ça pourrait donner contre un mec de 160? Parce que à chaque fois, je me pose la question. Et parfois, quand je suis en soirée, il y a des gens qui me demandent « Et contre un sumo, qu'est-ce que tu ferais ? Et contre les strongman, qu'est-ce que tu fais ? Et s'ils sont 3 ou 4, qu'est-ce que tu fais ?» Et j'ai fait « Moi, je vais répondre à la question. » C'est vrai qu'avant, c'était ça. Hein. Chacun venait de son art. Et puis, c'était le karaté meilleur que du jiu-jitsu. Mais c'est ce qui a fait le succès du MMA. Et de tout temps, je dirais, dans toute l'humanité, on a voulu se mesurer aux villageois du coin, savoir qui était le plus fort. MMA a répondu un petit peu à cette problématique. Alors que c'est vrai, comme tu dis justement, maintenant, c'est des purs produits MMA. Donc c'est vrai que... C'est un sport à part entière. Voilà, ouais. C'est que tout le monde a un peu le même... je rentre un petit peu, mais c'est stéréotypé. Alors qu'avant, c'est vrai qu'un striker contre un grappleur, c'était autre chose. Alors justement, tu connaissais ton niveau à l'époque avec les règles du MMA old school. Aujourd'hui, si on te mettait dans le MMA new age, qu'est-ce que ça donnerait, tu penses? Forcément, le niveau, il a augmenté de façon exponentielle. C'est comme comparer les anciens joueurs de football... soit Pelé, tu vois, feu Pelé, c'était moins impressionnant qu'aujourd'hui, tu vois. Ne serait-ce que par la condition physique qui a changé, les méthodes d'entraînement, les connaissances qui se sont multipliées. Donc aujourd'hui, forcément, je serais bien moins fort, je serais bien moins compétitif si j'étais retranscrit dans cette époque, quoi, moderne. Ouais, dans le circuit... actuel. Il faut en être conscient et puis il ne faut pas faire le vieux. Moi, de mon temps, c'était mieux, on était plus forts. Non, les petits jeunes maintenant sont plus forts. Et voilà. Oui, après, il faut... Quel âge tu as ? 45. 45, d'accord. Après, tu as quand même rencontré des mecs. Tu as eu Moussassi, tu as eu Philo, tu as eu Semenov, Marc Ouer. Enfin, tu as eu des mecs qui étaient déjà à l'époque très, très bons. Et voilà, je pense que tu aurais quand même largement ton mot à dire... à notre époque. Alors justement, pourquoi avoir mis un terme à ta carrière en MMA ? Tu vois, Sébastien, il a cité des grands noms. C'est des noms qui résonnent pour beaucoup d'entre nous, en tout cas les anciens. Des gars qui avaient les records du monde de vitesse du chaos de l'UFC, des champions russes incroyables, Paulo Filho, tout ça, qui était numéro 1 ou 2 mondial. Une fois que tu as rencontré tous ces gars-là, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Alors, tu arrives à un moment où il fallait basculer vraiment dans un professionnalisme extrême. Donc, pour moi, le professionnalisme, ça passait aussi par des dommages au cerveau et au visage qui sont colossaux. Et en même temps, il y avait aussi le problème du dopage. Est-ce que je dois me doper pour résister aux Brésiliens, aux Russes, aux Américains? Ils ont un peu cette culture. Et je me suis posé cette question. Et en tant que petit Français...
bon, on est plutôt bien en France, on est bien loti, on ne mange pas des cailloux, on est nourri quoi qu'il arrive. Et puis bon, moi je viens d'une classe moyenne, je suis pas, j'étais pas aux abois au niveau financier, donc j'ai mis ça de côté et en estimant avoir fait de belles choses déjà et en restant naturel et semi-professionnel, tu vois. C'était en quelle année? Mon arrêt, ouais. Je sais plus. 2006, non? Hein? 2006? Ouais, c'est ça, ouais. Et non, 2009, à l'Absolute Submission Fighting 4, où tu bats Brian Rafik. Alors, c'était du grappling. C'était du grappling. C'était du grappling. C'est ouais. En 2009, ça. C'est du grappling. C'est moi qui te spiquais. Oui, Grégory. Oui, oui. Donc, 2006, ouais. Dans les non, années 2009. Là, mais le ça, c'était du grappling. Ouais, le Pride Bushido, c'était en 2006, je crois. Ouais. Ah, t'as bien révisé tes fiches. Ouais, bon, bah, on se connaît depuis longtemps. Et aujourd'hui, quand tu vois l'émergence des organisations américaines sur le territoire français, tout l'investissement qu'il y a sur notre territoire, ça ne te donne pas envie? Bon, ça me donne envie, oui et non, parce que moi j'ai 46 ans, donc je m'invite que mon taux de testostérone descend. Donc on a moins envie d'entreprendre, on est moins agressif. Et c'est un sport où l'agressivité, c'est très important, ne serait-ce que pour se remettre en question tous les jours, aller à la salle, prendre des nions, c'est pas facile. On s'embourgeoise aussi un petit peu, tu vois. Grâce à Dieu, je gagne bien ma vie, donc à moins d'un gros chèque, pourquoi pas, tu vois. Parce que moi, j'aime ce sport. Moi, ce sport, j'aurais poursuivi tout le temps, en fait, si il n'y avait pas ces dommages au cerveau, au visage, qui rentraient en compte. Tu vois, parce que... Non, mais parce que souvent, les combattants ont du mal hein, de passer de l'autre côté, de tourner la page, parce qu'ils ne vivent jamais autrement, ils ne savent pas vivre autrement. Et puis, toute cette montée d'adrénaline, toutes ces hormones du bonheur qu'on génère quand on gagne, mine de rien, on y est accro, on est toxicomane. Toi, tu as réussi à vraiment passer, à faire cette transition vers ton après-carrière? Ouais. Ça a été simple ou t'as eu des moments difficiles? Bah, faut trouver d'autres passions. Il y a des moments qui sont difficiles de toute façon après carrière. Il y a des gars qui peuvent plus s'empêcher l'adrénaline leur manque tellement qu'ils se mettent à boire ou à prendre la drogue ou à avoir d'autres addictions. J'ai eu quelques travers également, mais bon, que ce soit l'alcool ou les femmes également. Mais bon, je m'en suis éloigné de plus en plus. Et aujourd'hui, j'arrive à trouver un équilibre. Et notamment avec mes vidéos sur Karaté Bushido, qui rencontrent un succès. Et moi, ça m'arrange en même temps, parce que ça me permet de m'entraîner et d'avoir des challenges réguliers. Je me dis, tiens, la semaine prochaine, je vais à la Légion. Tiens, la semaine prochaine, je vais voir Saladin Parnasse. Et finalement, c'est bénéfique, parce que ça t'oblige à avoir cette condition. Absolument. Ah, il est obligé. Ça te permettre. Ben ouais, c'est ça qui est... Ouais. Bah, attends, on voit la photo derrière, effectivement. Tu vois, à 45 ans, c'est très bien. Tu es à combien? Tu pèses combien? Parce que là, t'es... 97. 97, hein. Ouais. Alors justement, donc tu t'es reconverti en tant que YouTuber, effectivement, un immense succès. On l'a mesuré hein, d'ailleurs au dernier MMAGP, Seb, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y avait une file d'attente d'une demi-heure minimum. C'est-à-dire que c'est pire que Space Mountain à Euro Disney. ça a été le cas au Havre, Jérôme combattait. Non, là, il faut un coup de fil hein, pour aller voir Greg, c'est assez impressionnant, non mais vraiment. Est-ce que c'est comme ça partout où tu vas? Bah, pas partout, parce que là c'était spécial, parce qu'il y avait une communauté du MMA, mais... Mais à chaque déplacement dans un événement, c'est comme ça. Ouais, ouais. Bon, après, les gens, ils viennent vers moi naturellement, parce que je suis comme un copain, et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez naturel, et je me prends pas la tête. Ouais, et puis, après, j'excelle dans certains domaines, que ce soit pour le divertissement, ou l'art du combat, où je suis pas mauvais, mais faut pas oublier qu'il y a plein de personnes, plein de gens qui peuvent apprendre des choses. Alors qu'a priori, bah, je sais pas, il est petit, il est maigre, il n'est pas musclé. Mmh. Mais peut-être que cette personne, elle peut t'apprendre des trucs et elle peut être admirable par ailleurs. Donc, ouais. Il faut rester humble et garder les pieds sur terre. Parce que tu as cette touche d'humour qu'on retrouve dans tes vidéos, le côté un petit peu jacasse, mais en même temps très crédible, parce que tu es un ancien combattant et c'est très, très crédible, très pédagogique. Donc forcément, ça plaît au public. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça coche la case C'est-à-dire que, est-ce que tu ressens autant d'épanouissement que lorsque tu étais combattant? Bah, j'en un peu moins dans le côté dépassement de soi. Ouais. Il y a moins de peur, j'imagine. Mais il y a beaucoup plus de plaisir. Ouais. Parce que moi, je me protège et j'ai pas de honte à mettre des casques pour pas faire défoncer. Parce que toutes les semaines, finalement, le mec en face, moi, je fais des vidéos toutes les semaines, mais le mec en face, il a peut-être une vidéo pour se mettre en valeur. Donc, il va quand même envoyer la sauce. Il va pas se faire dominer devant la France entière par moi. Donc, il va essayer d'y aller fort. Donc, ça donne toujours
des combats assez âpres. Donc, moi, ça me procure beaucoup de plaisir. En même temps, je ressors, je suis pas marqué plus que ça. C'est toutes les semaines, la fréquence, là, t'en fais? Ouais, à peu près. Ouais, c'est un vrai travail, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Mais alors, justement, moi, je me rappelle, on s'était quitté à Combat Sport. Tu étais commentateur pour la chaîne. Je suis parti aux États-Unis pendant quoi, un an. J'ai disparu pendant 2 ans. Je reviens, tu t'es devenu une star de YouTube. Que s'est-il passé? Comment ça s'est monté, tout ça, au départ? Bon, c'est déjà, moi, je pense qu'il y a un peu de chance derrière tout ça. Il faut être là au bon moment. Moi, je me rappelle que toi, tu faisais aussi des vidéos où tu allais rencontrer des champions. Ouais. Il y a d'autres gars qui le faisaient. Moi, j'ai mis peut-être en place d'autres concepts, comme les trucs dans la rue. Personne ne le faisait. Donc, les tests de rue. Donc, c'est un mélange, tu vois, de la personnalité, les compétences martiales et la bonne humeur. Si tu arrives à. Et puis aussi, faut pas être un idiot et savoir parler. Donc, une certaine éloquence. Donc, c'est des qualités qui, en général, manquent. Il faut en regrouper plusieurs. Ouais. Voilà, et puis là, donc, ça a fonctionné. Quoi. Est-ce que c'est Karate Bushido qui t'a sollicité ou est-ce que c'est toi qui les as sollicités? Depuis très longtemps, je faisais des vidéos avec eux. Même, on peut en retrouver d'anciennes vidéos où j'étais un petit peu. Coincé des fesses, entre guillemets, parce que c'est pas évident d'être face à la caméra. Donc, je le faisais des vidéos de temps en temps, et puis à un moment, ça a accroché avec le journaliste Johan Verriot, donc, qui est très bon, qui travaille pour Karate Bushido depuis très longtemps. Et puis, l'alchimie s'est faite entre nous. Et, c'est important aussi d'avoir une bonne relation avec l'équipe. Là, les gens nous voient que tous les trois, mais il y a peut-être 10, 20, 30 personnes qui travaillent derrière, et c'est important d'être. D'avoir une symbiose avec toute l'équipe, d'être toujours agréable, disponible et courtois, c'est ce qui leur donne envie de te reprendre, tu vois. Parce que même si des gens sont très bons et qu'ils sont désagréables, et bon, tu fais, bon, vas-y, dégage. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, justement, tu nous disais en off, lorsque nous étions à Bordeaux au MMAGP, que tu avais aussi eu une traversée du désert dans ta vie. Finalement, comment tu as réussi à transformer la galère en success story? Bon, des traversées du désert, je pense qu'on en a tous. Et ensuite, ça va dépendre de notre état d'esprit. Il y a des gens qui ne sont pas assez forts, et il ne faut pas les blâmer. Hein. C'est des caractères qu'on a ou pas. Moi, je suis quelqu'un d'assez courageux. Donc, qui dit courage, dit peur. Je suis quelqu'un qui a peur, souvent. Mais j'arrive à transcender mes peurs pour en faire une force. Je me dis qu'est-ce qui te fait peur, par exemple? Oh, moi, il y a plein de choses qui me font peur. La violence me fait peur. C'est marrant pour un combattant de MMA. River te fait peur aussi. Ah oui, la river. Ah oui, le poker. Oh là, l'addiction. Mais après, c'est des peurs qui sont communes à tout le monde. Hein. J'invente un nouveau. Aller voir des femmes, les séduire et tout ça, c'est des choses qui font peur. Mais bon, je te dis, le pouvoir coercitif des autres me fait peur. Donc, c'est des choses. Il faut se battre tous les jours, tu vois, en tant qu'homme. Moi, je parle en tant qu'homme, parce que je suis pas une femme, du coup. Je sais qu'on a, il y a beaucoup de violence, qui est pas physique, mais qui est morale. Ouais, c'est-à-dire on a une putain de concurrence entre nous. On doit être le plus fort, le plus beau, le plus riche, le plus intelligent, ou sinon t'as pas forcément la vie que tu espères. Donc, ça te fait peur, ça, par rapport aux autres youtubeurs? Parce que j'ai vu qu'il y en a qui essayent de faire la même chose que toi. Ouais. Tu vois, par exemple, qui est très sympa, mais Mehdi. Oui. Mehdi qui fait. Ouais. Est-ce que toi, ça te met une pression? T'as peur que quelqu'un fasse mieux ou pareil ou, est-ce que ça fait partie justement de tes peurs? Non, après, je sais que ça peut être un concurrent, entre guillemets. Même si on ne se le dit pas, on sait qu'il y a toujours des gens qui vont préférer lui ou moi. Mmh. Mais bon, non, si ça s'arrête du jour au lendemain, moi, c'est pas grave. Hein. C'est vrai. J'ai d'autres cordes à mon arc. Ouais. Moi, je suis prof d'arts martiaux, je suis coach sportif. C'est mon métier de base. Ouais. Après, tout le reste, c'est du bonus, tu vois. Mais c'est quand même devenu ton métier. Ah non, mais tu crois que la vie a plein dents grâce à ça, c'est super. Ouais. Aujourd'hui, tu es dans les top tendances de YouTube, quand même. Ah bah, top 1, top 2, top 3. Ouais, c'est énorme. Dit-il détaché régulièrement. Est-ce que tu te sens dépassé parfois par l'ampleur que ça prend? Ça t'arrive? Bon, non, bah, en gros, quand t'es dépassé, c'est que tu prends la grosse tête. Mm-hmm. Pas forcément, non. Si. Bon. Sinon, qu'est-ce qui peut être, c'est que tu peux être dépassé à quel niveau? Non, dans le sens où t'es surpris de l'ampleur que ça prend, tu sais pas comment gérer. Non, moi je suis accessible, je réponds sur les réseaux sociaux. Faut pas croire non plus que je reçois 2000 messages par jour.
t'en reçois beaucoup, et puis mais de temps en temps, je prends le temps pour répondre à chacun, un petit mot. Et puis la grosse tête, non, si j'avais dû l'attraper, peut-être qu'à un moment je l'ai attrapé d'ailleurs quand j'étais plus jeune, mais avec l'âge, tu arrives à relativiser tout ça, tu fais bon, et donc so what, quoi. Alors on a voulu se faire une petite idée hein, de ton succès sur YouTube, on a regardé un peu tes vidéos, on a quand même envie d'avoir ton avis. Quelle est la vidéo qui a été la plus éprouvante pour toi? Oh bah, la plus éprouvante, sans aucun doute, celle avec le Major Gérald. Major Gérald ? Ouais, quand il m'a mis la misère, c'était... Ah non, mais alors attends, on va laisser les spectateurs découvrir ça, parce que c'est assez épique. En garde ! Prenez le sol ! En garde ! Roule en arrière ! Roule plus vite que ça ! Roule en arrière ! Roule en arrière ! Prenez le sol ! Allez, pompe, pompe, pompe ! Fais-moi des pompes ! Allez, 200, en musique, en musique ! Il était une fois... La musique, c'est compter, espèce de brel. 1, 2, 3. En garde ! Plaque le sol ! En garde ! Roule en avant ! Roule en arrière ! Plaque le sol ! C'est pas assez rapide. En garde ! Roule en avant ! Roule en arrière ! Plaque le sol ! Go ! En place ! Reste au sol, reste au sol. Tu vas me montrer de quoi t'es capable ? Est-ce que tu vas me montrer ? J'ai pas entendu ! Allez, lâchez-le. En garde ! Plaque le sol ! En garde ! Roule en arrière ! En garde ! Allez, défonce-le. Allez, mets-le à distance. Allez, 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 mets-le à distance. Tourne, fille, tourne, tourne autour. Tourne autour. Voilà. Allez, allez. Allez, Greg, monte-moi les coups de pied, voilà. Allez, sois actif, sois réactif. C'est pas mal, allez, allez, allez! Tu veux sortir ou tu veux mourir? Viens ici, viens ici! En garde! Plaque le sol! En garde! Roule en avant! En garde! En garde! Regarde-moi! Regarde-moi! C'est terminé. Avec une synthèse corps à corps, c'est très bien. On est fiers de toi. On souffre avec toi dans cette vidéo. T'as des frissons ? Ah bien sûr, j'ai chair de poule. Gros plan, gros plan. Oh la vache. Rien que de le voir, il m'a fatigué. C'était bah, il y a combien de temps ? Il y a un an et demi, ça, non ? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Je préfère oublier. Et alors, du coup, comment tu l'as vécu, cette expérience ? Parce que là, on a vu une minute, mais ça dure 20-25 minutes. Avec, ils m'ont mis des cagoules, ils m'ont mis de l'eau sur la tronche. La bagarre, des mecs qui te sautent de partout. C'est un jeu vidéo, quoi, tu fais. Ouais. Ah oui, ils t'ont pratiquement torturé, même. C'est des malades. Après, tu ressors, t'es... Non, c'est pas possible. Ouais. Est-ce qu'ils l'ont exagéré parce que c'était là ou c'est vraiment l'entraînement qui... Moi, je crois que c'est vraiment comme ça. Hein. Ouais. Oh, je pense que c'est peut-être, ça peut être même plus dur pour les autres parce que les autres, ils le font pendant peut-être une semaine. Ouais. Mais bon, la veille, je m'étais déjà battu avec un gars de 100 kilos. Et le jour même, j'avais combattu contre le major et un autre adjudant de 95 kilos. Ah ouais, donc... Déjà, j'étais bien... Donc t'as bien dormi cette semaine-là. Ouais. Et alors, la vidéo que tu as pris le plus de plaisir à réaliser ? Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir sur beaucoup de vidéos, mais ce sera avec mon idole Jérôme Le Banner, bien sûr. Mmh. Jérôme Le Banner, ouais. Ouais, parce que moi, je le regarde depuis tout petit. Moi, je prenais des photos avec lui, des autographes quand j'avais 17-18 ans. Et puis, j'ai toujours admiré ce gars, c'était un monstre. Pour moi, c'est le numéro un pied-point de tous les temps français. Il y a Jérôme Le Banner, il y a Teddy Riner, et puis après, il y a les autres. Eh bien, regarde, on va regarder cette vidéo parce que, franchement, Jérôme Le Banner, il est encore impressionnant, hein, malgré son âge. Regardez. Allez, viens.
C'est donc toi qui l'as préparé pour le MMA GP. On a enfin le secret de Jérôme Le Banner. Ça s'est bien passé, du coup, cette mise de gants. Ah ouais. Comment tu t'es ressenti face à lui, physiquement? Je préfère le regarder en vidéo que de le vivre. Hein. Et le commenter. Et puis, quand tu te regardes, là, j'avais peur. Hein. Non, mais il est impressionnant. Il te met ses golden, frère. il fait mal, il va vite. Et puis, c'est une légende. Donc, c'est comme si je t'étais passé à Tyson ou Michael Jordan, tu vois, pour moi. Mm. Ça a dû te faire quelque chose de faire la démo au Festival des Arts Martiaux. Ouais. Mais ça se voyait, puis c'était beau à voir. Donc là, mon sparring, je suis timoré, je suis pas très bon, c'est normal. Je suis impressionné, donc... Il n'y a rien à dire, c'est Jérôme, tout le monde le connaît, tout le monde l'admire, le respecte. Donc, faire un sparring avec lui, c'est inespéré, tu vois. C'est un rêve d'enfant, et moi, je reste un grand enfant dans ma tête, de toute façon. C'est vrai? Oui. C'est le secret peut-être? Peut-être, parce que faut arriver à délirer, à prendre la vie un peu avec légèreté. Après, il y a des gens qui ont des vies difficiles qui ne peuvent pas le faire, mais moi, bon, ça va. Donc, je me détends, je ne me prends pas au sérieux, je vais au charbon, je vais au combat. Et puis, si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Hein. Bon, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur tes projets futurs? Mes projets futurs? Es-tu encore une fois là où on ne t'attend pas? Quels sont tes autres projets? Est-ce que tu en as d'autres? Moi, j'aime bien faire ce que je fais, ça me motive tous les jours à m'entraîner dur. Puis des projets particuliers, non, après ce sera peut-être du business, des trucs comme ça, hein, pour faire du fric, parce que c'est important aussi. Mais des choses qui me tiennent à cœur. Ah oui, si. Ah, oui, le poker, j'aime bien le poker aussi. Hein, j'allais te lancer là. Alors je vais te répondre après. Je vais te répondre après, mais peut-être que je dois jouer dans le film de Jean-Claude Van Damme. Non. Ah, génial. Et puis avec les producteurs me kiffent, donc... Salut Jérémy, on va peut-être faire un one-man show aussi. Énorme. Ah ouais, tu vois que t'as du projet, ouais, regarde. Si. Non mais je l'ai appris il y a 3 jours. Ah d'accord, oui, voilà, on a une exclue. Super. Et donc, joueur de poker, c'est ton nouveau projet excitant. Je suis pas très bon, mais j'aimerais prendre des cours. Donc s'il y a des profs qui regardent... Il y en a plein, mais bon. S'il y a des profs, venez m'aider à être bon. Mais c'est un sport qui est très excitant, très tactique. C'est marrant que tu utilises le mot sport. Oui. Moi, j'ai toujours parlé du poker. C'était pas un sport. Moi, tu sais, j'ai fait la maison du bluff pendant longtemps. Et moi, je ne considère pas que ce soit un sport. Pas du tout. Et il y en a beaucoup qui disent... Un sport cérébral, peut-être. C'est sûr. Parce que c'est de la tactique, quand même. C'est la définition du sport. C'est juste une activité physique ou mentale où il peut y avoir une compétition. C'est ça, la définition. Ouais, et après, dans le sport, comme on l'entend de nous. Mais il y a assez peu de pompes et de high kick au poker, quoique. Quoique, ça Et alors, tout à l'heure, tu nous disais que ça pouvait te titiller éventuellement de revenir au combat s'il y avait un gros chèque sur la table. Ça serait quoi le montant minimum pour toi pour revenir? Moi, mon père vient d'un pays où on ne doit pas dire le prix. C'est à l'autre de dire le prix d'abord. Ah. Et ensuite, voilà. Après, tu négocies. Bon, en tout cas, la porte n'est pas 100 000. Fermée. 100 000, donc. La porte n'est pas fermée, en tout cas, donc avis aux organisateurs. Il va y avoir de belles organisations, justement, dans les jours à venir et même dans les mois à venir. Regardez le calendrier à suivre du MMA français. Le 20 janvier, le ARES vous donne rendez-vous, donc les fans pourront se réjouir du retour d'Abdoul Abdouraguimov, de Amin Ayoub et de Baki Shamsoudinov. On aura également le 22 janvier le Hexagone MMA 6, un événement qu'il ne faut surtout pas louper. D'ailleurs, tu seras au commentaire, Greg, ce sera au Zénith de Paris. On retrouvera bien évidemment Laetitia Blue en main event qui défendra sa ceinture pour la première fois. Yazid Chouchan qui affrontera l'ancienne star du Cage Warrior, Chris Fishgold. Et enfin, nous retrouverons aussi Damien Loscorémi, Nora Cornol, Mathieu Leto Duclos, Yellow Page, Eva Dourt. Bref, que du beau monde. Prenez vos places parce que ça va être du grand spectacle. Et puis, le petit moment autopromo. Rendez-vous le 25 février au Bellator à Dublin. Eh oui, pourquoi? Parce que Lucie va combattre et tu vas rencontrer donc... Fabrice Engel. Alors, pas ton clone, parce que tu es beaucoup plus jolie. Et puis, je suis plus sympa. Oui, après, je ne la connais pas. Sabri Sengul, qui vient de la boxe anglaise. Boxe anglaise, comme toi, qui a fait du kickboxing, qui a eu un titre également au mondial. Voilà, 5 fois championne nationale de boxe anglaise, championne du monde de kickboxing. Et qui a fait Koh-Lanta. Donc, c'est vraiment deux combattantes, un peu, c'est un miroir. C'est mon reflet. C'est tout, voilà, exactement. Tu sais que c'est ma hantise de rencontrer mon reflet. Parce que je sais que je suis une plaie. Et donc voilà, ça sera le 25 février à Dublin. Donc un combat en 3 reprises.
faut être derrière Lucie, hein, je vous le dis, hein, soyez derrière Lucie, non, c'est impératif. Et en tout cas, on va te suivre. Et puis, il n'y a pas de raison que... Là, comment la prépa se passe bien? Je crois que tu es en plein... En plein régime, oui. Non, ça se passe bien. Maintenant, il n'y a qu'une vérité, c'est celle de la cage. Ouais. Donc, de toute façon, je la prends très au sérieux, ça c'est clair. Et puis surtout, j'aimerais bien gagner ce combat pour pouvoir gagner mon ticket à l'Accor Arena le 12 mai prochain, parce qu'il va y avoir le Grand Prix. Le Grand Prix du Bellator, c'est quelque chose, Greg. Hein, il y a du beau monde. Le prochain, là, ouais, avec Mansour. Exactement, Mansour Barnaoui, on va avoir Moussassi Edwards. Ben Anderson, alors il est dans le tournoi, Benson, ouais. Si, mais est-il sur l'affiche de Paris? Ça, je dois vérifier. Il n'est pas sur l'affiche, je crois. Non, il n'est pas sur l'affiche, je crois. Il est dans le tournoi, Oui. Ah ouais. Benson, Non, ça va être un très grand événement. Un événement en grande pompe à Paris-Bercy. Donc, franchement, je ne vous cache pas que j'aimerais bien y être. Et Moussassi qui combat à Paris? Contre Edwards. Oh putain, énorme, hein. Je vais prendre son adresse. Mais tu te rends compte que. on en parlait tout à l'heure. Moussassi, tu l'as combattu et là, il est sur la carte. Donc, je me dis que finalement. Toi aussi, t'aurais pu être encore là. Ouais, mais il m'a déchiré. Hein. On va peut-être passer un message au Bellator. Le Bellator, si tu nous entends, Greg est là. En tout cas, avant ça, 29 février Dublin. Et avec moi, il y aura d'autres Français qu'il va falloir suivre attentivement parce que c'est du très très lourd. Azaël Adjouj, on aura Jordan Derval et Youssef Wabas. Bref, du beau monde. Et donc Lucie Berthaud. On sera en préliminaire, donc n'hésitez pas à montrer votre soutien, ça fait toujours chaud au cœur. Merci Greg, merci Seb d'avoir été là aujourd'hui. Encore une belle émission. On se retrouve donc très vite, la semaine prochaine, pour un nouveau rendez-vous MMA Extra Round. Greg, on te retrouve le 22 janvier au Hexagone MMA pour signer plein d'autographes. Une heure d'attente, je vous annonce déjà la scène. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, gardez la forme. Bye.